Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour notre vidéo. Une vidéo hors du commun. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les gens font pour voler les étoiles des innocents. C'est hors du commun. Mais savez-vous, savez-vous que ça existe? Savez-vous qu'il y a des ritualistes sur cette terre qui sont en train de regarder sur la terre et chercher les étoiles de Dieu pour les éteindre? Sérieux? Waouh! Mais que se passe-t-il quand on éteint votre étoile? Est-ce que nous allons tout découvrir ici? Au travers des révélations que un homme va nous donner. Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va dire. Écoutons, c'est un truc hors du commun. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez, sont au-dessus de beaucoup d'entreprises, ont beaucoup de réalisations. Mais en fait, ce n'est pas elles qui devaient faire ça. Elles ont juste pompé l'étoile, la grâce et la vie sur d'autres personnes. Quand on lit dans la Bible les rois mages, la première des choses qu'ils ont vu de Jésus, ils ont vu d'abord son étoile. Son étoile brillait dans le ciel. Ça veut dire que les personnes qui sont capables, rien qu'en vous regardant, à voir l'éclat de votre étoile. À défaut de voler, ils sont capables de l'éteindre. Et voici les formules qu'ils utilisent. La formule numéro 1, ils vont passer par des cadeaux, procéder par des cadeaux. Pour rien, ils te font vraiment un joli cadeau. Ils t'offrent ce que tu veux. Ils te donnent, je ne sais pas comment je vais te dire, un homme, par exemple, te rencontre aujourd'hui pour ton transport, il te donne 200, 300 000, 1 million. Il faut te poser des questions. Il y a un gars, tu connais ni d'Adam ni d'Eve, il apparaît. Ah, vraiment, j'aime ton affaire. Tiens un costume, tiens une chaussure, tiens quelque chose. Ils sont toujours prêts à te donner. Faites attention. La dernière fois, j'en parlais, les gens pensaient que c'est parce que, ouais, j'étais aigri. Quand tu parles un peu, oui, l'argent n'a pas d'odeur. Qui vous a dit que l'argent n'a pas d'odeur? Est-ce que vous savez ce que les gens font de l'argent? Remarquez bien, ces gens, ça ne donne pas l'argent à n'importe qui. Quand tu donnes l'argent, une fois, ils ne te donnent plus parce qu'ils ont pris ce qu'ils voulaient. Ils cherchent de nouvelles personnes. Et tandis qu'il y a des gens qui les sollicitent, ils ne réagissent pas. Mais ils vont toujours vouloir donner leur argent à d'autres personnes qui sont à côté. Méfiez-vous des gens. Le dé offre peur. Les gens sont prêts à tout pour réussir aujourd'hui. Il n'y a pas d'état d'âme. Il y a des groupes, il y a des personnes que tu fréquentes. Et... je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ils sont pleins dans ce pays qu'on voit, ils sont en haut là. C'est l'étoile des gens qu'ils utilisent. C'est pourquoi l'amitié du père, les gens. Quelques temps après, ils passent une autre amitié. Ils passent... et ils sont toujours en train de supplanter, d'écraser ceux qui sont en bas d'eux. Parce qu'ils prennent tout de ces personnes-là. Derrière ce type de choses. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Il y a des personnes qui sont vraiment animées de bonnes intentions. Il y a des gens qui sont animés de mauvaises intentions. Faites attention. La première des formules, c'est par les cadeaux. C'est par l'argent qu'ils te donnent. La deuxième des formules, c'est par le sexe. Quand ils couchent avec toi, ils prennent ton étoile. Que ce soit homme ou une femme. Quand un homme couche avec un homme, très souvent, vous le voyez, on dit non, ils sont homosexuels, tout ça. Souvent, c'est même pas parce que c'est leur penchant sexuel. C'est parce qu'ils savent que le pouvoir d'un homme peut se prendre. Sont derrière, donc ils couchent avec des personnes. Il y a aussi des femmes qui vont coucher avec d'autres femmes pour pouvoir récupérer ça aussi. Parce que tout ce qui est contre nature a une forte connotation spirituelle. Est-ce que vous voyez? Mon Dieu, chacun couche avec toi, ils prennent. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont une autre formule et c'est très développé dans le coupé décalé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se développent pour coucher avec une femme qui a déjà couché avec vous. Parce que le corps d'une femme, c'est comme une carte mémoire qui enregistre toutes les vibrations sexuelles. Donc ils vont coucher avec la femme pour pouvoir retirer votre étoile et votre grâce au travers de cette femme-là. Parce que vous êtes déchargé là-bas. Vous avez déposé votre vie en elle. Ils vont aller récupérer cette vie-là. Il y a d'autres même qui suscitent des femmes, qui vont l'envoyer vers vous. Elles vont vous séduire, coucher avec vous. Et quand ces femmes finissent de coucher avec vous, ils reprennent ces femmes pour coucher avec elles pour pouvoir aspirer encore l'étoile, votre étoile. Remarquez bien. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez, sont au-dessus de beaucoup d'entreprises, ont beaucoup de réalisations. Mais en fait, ce n'est pas elles qui devaient faire ça. Elles ont juste pompé l'étoile, la grâce et la vie sur d'autres personnes. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez entendu ça? Que dites-vous, les frères et sœurs? Qu'est-ce que vous dites de cela? Ha! Ma frère et sœur, vous pouvez croire ou douter. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez l'étoile de Dieu sur vous, vous allez les voir. Et oui, vous allez voir ces personnes à un moment donné. Parce que ces sorciers-là ne vont pas se cacher. À un moment donné, ils vont se révéler à vous. Ils vont venir vous défier sur le terrain. Et quand ils viendront vers vous en amis,
Ils viennent, ce sont les gens qui sont tout le temps pressés pour se lier d'amitié avec vous. Une personne qui est là-bas vient te voir, dit « Ah mon ami, vraiment, tu es une bonne personne, j'aimerais qu'on soit amis. » Ou bien une fille qui est là-bas, elle vient te voir, elle dit « Ah vraiment, tu es beau tête, tu es vraiment un bon gars, j'aimerais que on soit ensemble. » Mon frère, c'est trop facile. Ma soeur, c'est trop facile. Tu n'es pas la personne la plus belle au monde. Mais qu'est-ce que cette personne-là cherche? Si tu te poses cette question, tu ne vas pas tomber dans son piège. C'est trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, les gens ne sont pas simples. Les gens ne sont plus simples. Quand ils te donnent un cadeau, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils cherchent à avoir en retour. C'est là que les gens disent cette phrase-là. On ne fait rien pour rien. On ne fait rien pour rien. C'est-à-dire que si, même si c'est une personne que tu connais, et cette personne-là, à un moment donné, commence à être gentil avec toi, alors qu'avant, elle ne parlait pas avec toi. Méfie-toi. C'est que cette personne a vu quelque chose en esprit te concernant. Et cette personne-là, maintenant, a été envoyée par le maître de tes ennemis, c'est-à-dire Satan, afin de pouvoir te combattre. Mais pour pouvoir te combattre là, ce genre-là préfère commencer par faire comme s'ils viennent en paix auprès de toi. Mais la réalité, c'est que derrière cette soi-disant paix là, tu trouves la guerre. Les gens cherchent à te nuire, à te détruire. C'est pourquoi, dès que tu remarques un moment donné, si tu as une femme, si dès que tu remarques un moment donné que beaucoup d'hommes viennent derrière toi, méfie-toi. Méfie-toi. Si tu es un homme aussi, et qu'à un moment donné, tu te rends compte que beaucoup de filles courent après toi et viennent jusqu'à même, elles font un bouteillage sur la route à cause de toi, méfie-toi. Tu n'es pas l'homme le plus beau de la planète. Il y a quelque chose qu'elles cherchent chez toi. Et ces choses-là, elles ont vu à distance, avec leurs yeux spirituels. Et même dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire quand elle allait dormir la nuit, là, quand elle allait s'endormir, là, elle est sortie de son corps, elle a voyagé, elle voit le diable. Et tous les sorciers du pays, tous les sorciers du quartier, tous les sorciers de ta maison, ils se sont tous mis à parler et à causer. Quand les sorciers de ta famille ont étalé ton dossier devant eux, tous les sorciers du quartier et du pays étaient informés. Du coup, ils ont commencé à faire un plan. Et le plan qu'ils ont commencé à faire, c'est le résultat que tu vois sur ton chemin. Là, au travers de beaucoup de filles qui courent vers toi à un moment donné. Dès que tu commences à toucher un peu d'argent net, c'est là que tu le vois verser sur ton chemin. Waouh! Elles sont versées. Waouh! Elles sont remplies d'ailleurs comme ça. Fais attention! Fais attention! Elles te cherchent. Elles cherchent à te détruire. Non seulement elles vont bouffer ta thune, ton argent, mais en plus de ça, elles vont détruire tes œuvres. Elles vont détruire tes affaires. Elles vont te nuire. Elles vont mettre du sable dans ton attiqué là. Pourquoi? Parce qu'elles sont des sorcières. Elles ont été envoyées pour te détruire. Elles sont en mission. Elles ne font que faire leur job. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est pourquoi il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Il ne faut pas accepter les amitiés de n'importe qui. Même si cette personne est riche, n'acceptez pas son amitié juste parce qu'elle peut vous apporter quelque chose, comme l'argent ou quoi que ce soit de ce genre. La première chose que vous devez chercher à savoir, c'est est-ce que cette personne est une sorcière ou pas? Est-ce que cette personne-là travaille avec Satan? Si cette personne-là est une adoratrice du diable, même si cette personne-là est riche physiquement, même si cette personne est jolie, méfiez-vous de cette personne. Méfiez-vous de cette personne. Parce que
L'âme n'a pas de prix. Cette personne cherche à détruire votre âme. Mais elle va commencer par vous blaguer avec son argent. Il faut se méfier de cette personne. C'est pourquoi il faut rester toujours concentré. Toujours concentré. Tout en train de réfléchir et chercher à savoir ce qui se passe autour de vous. Les ennemis qui viennent vous pour vous attaquer là, eux ils sont déjà connectés, ils sont déjà en esprit. Les esprits sont ouverts comme ça, waouh! Ou c'est ouvert comme ça, waouh! Comme ça là, comme ça là, comme ça là, ouvert comme ça, allumé non, ça allumé comme ça. Chaque jour, pendant que vous voyez eux, pendant qu'ils vous font rire, ils vous attaquent derrière avec le pouvoir de la sorcellerie. Donc vous aussi, soyez très disposé, soyez très vigilant et ne laissez rien, ne laissez aucun détail passer. Parce que nous sommes en guerre sur cette terre et les gens cherchent à nous détruire. Si toi tu t'amuses avec tout le monde, tu ris avec tout le monde, tu es perdu. Hein? Tu es vraiment perdu. À ce stade, à ce niveau de la compétition, tu ne peux plus rire avec tout le monde. C'est pas possible. C'est impossible même, c'est pas possible. Si toi tu ris avec tout le monde, même avec le diable, même avec ses sorciers, on va se dire que tu es un idiot. Ils vont maintenant jouer avec ta tête. Ils vont t'utiliser. Ils vont dire, oh lui là, on va jouer sur sa, on va passer sur sa naïveté. Comme c'est l'idiot, il ne sait pas que nous sommes ses ennemis. Et il pense que nous sommes des amis. On va passer par là pour lui montrer ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. C'est d'abord commencer à faire des complots contre toi. Tu peux avoir 20 amis. Mais il n'y a aucune personne qui n'a pas l'esprit de la sorcellerie. Tous ces gens sont sorciers. 20 amis sorciers. Ils sont au nombre de toi. Quand vous voyez les ils causent entre eux. Quand tu les vois, ils causent entre eux. Ils rient, ils rigolent même. Ils parlent en parabole, ils rigolent. C'est toi qui es au milieu de ça, sans savoir ce qui se passe. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Et ces gens-là, quand ils sont autour de vous, ils auront tendance à vous donner des conseils. Tout en se sentant qui donne un conseil seulement. Quand vous avez de belles idées, ils viennent combattre vos idées. Vous dites non, c'est pas bien, ça va pas réussir, non, ce n'est rien, non, ça va pas marcher, non, toi aussi, comment peux-tu réfléchir comme ça? Ils vont parler ainsi hein, pour vous amener à douter de vous-même. En fait, ils sont en train de vous combattre. Ce sont les sorciers qui sont près de vous. Et oui, c'est la fête. La fête arrive, non? Nous sommes déjà dans la fête. Ils sont déjà calés. Comme à Calais, Kanga. À Calais, Kanga Junior. Ils sont là. Pour nuire à la vie d'autrui. Pour mettre les bâtons de la roue dans la vie des gens. Moi, je te dis, hein, à cette période de la fête, là, surtout décembre où nous sommes actuellement. Méfie-toi. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Même pendant que vous serez en train de boire, fêter là, on peut vous empoisonner. Parce que le diable, c'est le démon. Le diable, c'est sorcier. Même en période de fête, eux, ils travaillent. Ils continuent à travailler. Eux, ne se reposent pas. Ils disent qu'ils vont se reposer le jour où Jésus va revenir. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, hein, ils vont continuer à faire du sale. Ils vont commencer à faire du mal. Ils vont continuer à faire les mauvaises choses sur la terre. Mais oui! Ils disent, soit tu manges ou tu es mangé. Donc eux, ils vont manger tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Maintenant, les gens disent que, si un souci n'est pas de ta famille, il ne peut rien te faire. Vous blaguez à vous-même, vous mentez. Il y a une forme de sorcellerie qui s'appelle la sorcellerie communautaire, la sorcellerie du quartier, la sorcellerie du pays. Ça, ils vont tous s'associer pour vous combattre, que vous soyez de la même famille ou pas, ils sont fous. C'est comme les lions. Quand vous voyez les lions à l'atelier, quand les lions voient les moutons, est-ce qu'ils disent que hey, toi le mouton qui est là-bas, tu n'es pas de ma famille, donc il ne te fait rien? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si vous blaguez-vous vous-même, mais moi je vous dis, je suis là pour vous dire la vérité, nous sommes sur ce bas. Si vous n'êtes pas bon à mon ouvrage, tu vas quand je fais un loup qui arrive. Et oui! Le sorcier n'a pas besoin que vous soyez de la même famille ou pas. De toute façon, de ta famille, à moins sorcier, au moins un. Un, mais c'est petit, peut-être il a dit ça. Oui, donc eux, tous, ils ont donné l'autorisation à ces sorciers de dire de te faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais toi, sois vigilant. Ne donne pas accès au diable.
ne donne pas accès à ce lion-là qui cherche qui va dévorer. Quand Dieu ne donne pas accès au diable, ça veut dire que dès que tu vois qu'une personne, dès que tu vois qu'une amitié, c'est-à-dire l'amitié que tu as avec quelqu'un, ça ne va pas t'apporter quelque chose de positif, il faut annuler cette amitié. Et oui. Dès que tu parles avec quelqu'un d'un projet, et que tu vois que à chaque fois que tu lui parles de ce projet, il y a des blocages et que le projet n'aboutit pas, il ne faut plus parler de tes projets à cette personne. Voilà. C'est ce qu'on appelle ne donne pas accès au diable. Ce qu'on sait, ce qu'on sait, ce qu'on sait, ça marche. Mais oui, ce qu'on sait, ça marche. C'est pas de la blague. Tu marches avec tes amis. Ils ne te donnent pas de bons conseils. Il faut les éviter. Tu es avec une nouvelle copine. Elle ne te donne pas de bons conseils. Tout le temps, elle est là, elle te parle de mèches humaines, des faux ongles, des rouges à lèvres. Ou toi, tu viens d'avoir de l'argent pour pouvoir investir. Elle dit, non, chérie, regarde, je veux changer mes seins, je veux changer mes fesses, pardon, donne-moi cet argent. Il faut l'éviter. C'est une sorcière. Elle veut te nuire, elle veut te détruire. Une fois qu'elle aura atteint sa mission, elle va t'abandonner seule dans ta galère pour aller vers un autre homme ultime. Faites très attention. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne me dites pas que je ne vous ai pas dit. Je vous dis tout aussi. Je vais commencer à tout vous dire maintenant. Parce qu'en 2023, on s'en va. C'est pas du jeu, c'est du loup qui arrive. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, encore une fois, je vous le dis ceci. Ne riez pas avec tout le monde. Parce que les gens sont hypocrites. Ceux avec qui vous riez là, eux derrière que je cherche à vous descendre. Quand vous riez, vous leur donnez une information. L'information que vous leur donnez, c'est que gens, vous ne les voyez pas. Vous ne savez pas qu'ils sont en vérité là pour vous nuire, pour vous détruire. Donc, on dit que vous profitez de votre naïveté pour vous avoir. Faites très attention. Le monde n'est pas celui que vous croyez. Le monde, en somme, c'est pas celui que vous croyez. Il y a plus de démons sur la terre ici que nulle part ailleurs. Et les démons, surtout dans les hommes. Il y a des démons sous forme humaine. Les gens qui naissent des pères démons. Et lui, les démons. Mais là, comme nous ressemble, tout ce qu'il fait là, c'est connerie seulement. Il n'est là que pour détruire. Tous ces gens-là sont parmi nous. Ils sont cachés. Mais vous allez les voir. Par leurs œuvres. Par leurs fruits. Par leurs fruits. Tu marches avec un ami. Fais ton bilan. Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que vous avez réalisé ensemble? Si le résultat n'est pas positif, si le fruit n'est pas bon, mon ami, il faut couper la relation, c'est pas obligé. On mange ensemble, c'est pourquoi? Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à tous les personnes pour nous soutenir. C'est ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur notre part, soyez prêts!